Salut, allez, aujourd'hui on va parler d'Automobilista 2 et je vais ou pas vous présenter un, mais deux modes. Alors, on va tout de suite aller dans le jeu, voir ce qui se passe. Donc, au niveau des catégories, donc je ne vous refais pas le tuto, hein, je vous l'avais déjà fait précédemment. On est d'accord, c'est toujours une tannée à faire. Une fois qu'on a pris le tour, ça va, mais c'est pas à la portée de tout le monde, clairement. Donc, si vous n'avez pas l'envie ou le courage d'essayer d'installer les modes, voilà, profitez de la vidéo pour voir un petit peu le contenu, peut-être. Que Raiza, le studio, va améliorer les choses. Ils l'ont évoqué, hein, le fait d'essayer de faciliter l'accès justement au mode, en tout cas pour les installer, parce qu'à chaque mise à jour du studio et du jeu, il faut refaire une manipulation. C'est assez fastidieux, assez chiant. Mais bon, voilà, j'y arrive, je ne suis pas non plus bac plus 12 en informatique, donc chacun peut, s'il a un peu de temps, prendre patience et essayer de le faire. Auquel cas, je suis là s'il y a des questions, mais. Voilà, ça vaut quand même le coup. Alors, on va aller dans la catégorie qui nous intéresse. Donc, ce n'est pas le hypercar, c'est la catégorie GT1 Sport Club. Donc, nous avions déjà la Porsche 935, la Ferrari FIX XXK, et c'est donc sur celle-ci qu'on va essayer de se battre. Et là, la nouvelle, donc Lamborghini Esenza SCV12. Donc, vous voyez, 830 chevaux, moteur 6 litres 5, 830 Nm de couple et simplement, j'allais dire, 1 kg, 1 kg, 1 tonne 3 sur la balance. Donc, au niveau des livrets, il y en a vraiment pas mal. Ça change de ce que peut proposer Raiza. Alors, il n'y a pas de pub, hein. C'est vraiment que des livrets sommaires, mais très clairement, ça fait le taf. Vous voyez, il y en a des jolies, je trouve, il y en a quelques-unes. Donc, voilà, ça c'est une chose. On va aller voir un petit peu le showroom. Hop. Superbement bien modélisé, rien à dire. Comme je dis, ça fait vraiment le boulot. Voilà une de ces gueules. Tout est tiré au couteau. Enfin, les lignes sont vraiment très nettes, très, très tirées. Il n'y a pas d'arrondi sur cette caisse. Je la trouve magnifique. Donc, on va faire ça sur quel circuit? Hop. Donc, le nouveau circuit. Donc, on va prendre celle-ci. Donc l'ancien que je vous avais montré, c'était un California, c'était pas un circuit, hein, c'était une boucle, enfin en tout cas un tracé, entre guillemets. Et j'avais pas vu une chose, petite chose à part, hop, on va prendre celui-là juste pour que je vous montre. Au niveau de la météo, alors ça a été rajouté lors de l'installation du mode, c'est issu directement de P-Cars 2, vous voyez, il y a la neige. La neige qui est revenue, alors je suis pas fan de ça, puisque ça ne fait pas partie du sim racing. Pour moi, on roule pas sous la neige, voilà, donc je voulais juste vous le présenter, je l'ai testé, c'est assez. C'est assez bien fichu, comme l'était sur, ça l'était sur P-Cars 2, mais bien évidemment, je ne roulerai pas sur la neige. Donc, sur quel circuit on va faire ça? Donc, on va reprendre par localisation, par États-Unis, hop, voilà, et on va descendre, et on se retrouve ici avec le circuit, c'est différent, les Utes. Donc, nous avons, donc c'est Mojave, vous voyez ça se prononce comme ça, Mojave, bref, voilà, ici, en fait, ça vous permet, alors vous voyez, il y a pas mal de dénivelé, ça vous permet justement, selon le type de bagnole que vous avez, de profiter du circuit. Donc, moi, j'ai choisi celui-ci, parce qu'il y a un long banking et une très longue ligne droite pour profiter de la puissance des bagnoles. Donc, ça, c'est le deuxième. Ensuite, nous avons celui-ci, un peu plus petit, qui pourrait ressembler à Brandach Indy, enfin, le tout petit. Ici, encore avec une grande ligne droite également. Et enfin, le dernier, si je ne me trompe pas, celui-ci. Voilà. Voilà en gros les 5 circuits proposés, les 5 layouts, les 5 tracés différents de ce circuit de Mojave. On se retrouve directement en piste, un petit 5 tours, on va dire, de course avec l'IA 110, je crois. Écoutez, on regarde ça, c'est parti. Allez, c'est parti avec cette Lamborghini Senza sur 5 tours. On va essayer de pas trop se laisser distancer. Alors, circuit intéressant, il y a 5 layouts, je crois. Et là, en l'occurrence, un banking et une bonne ligne droite. Ouais, pour l'instant, on est 8e, 7e. Et les plus dangereuses, ce seront les Ferrari.
Alors, elle existait, hein, cette Lambo. Je l'avais pas présentée, il me semble. C'est juste que là, elle a été refaite avec un nouveau son. Les lumières, lumières au niveau du volant et du tableau de bord, si je ne me trompe pas. Comme il y avait aussi ce nouveau circuit à tester. Bon, gros freinage ici. Vous voyez une plaque très propre. Allez, deux Lambo là, on se les fait. On est troisième, il reste du coup les deux Ferrari devant. Ah non, c'est une Ferrari et une Lambo. Un circuit beaucoup plus intéressant que le dernier que je vous ai présenté, parce que le dernier c'était pas vraiment proprement parlé un circuit. Ah, il va falloir que je pousse un peu là. Ferrari avec son aileron, si je me rappelle bien. Vous voyez, il vient de se... je sais pas si vous l'avez vu, il vient de se relever pour freiner. Freinage. Ah, il faut se méfier. Hop. Ah, pas de câble avant. Voilà le son, attention dans le tunnel. On a plein les oreilles. Une grosse bagarre de l'IA. Ouh, ça passe pas ici. Oh là là là. J'ai rien pu faire. Du coup, elle s'envole. Ou gros freinage de la Lambo, tardif.
Oh, ça chamaille là. On va essayer d'en profiter. C'est la fin de journée ici. Oh, tout est top en fin de journée. Les éclairages. Ah, mon freinage qui était pas top. Vraiment une belle bagarre de l'IA. Hein. Ah, ça c'est rare. Je sais pas où ils sont. Le dernier tour. Ils sont derrière. Allez. Essayez de pas vous foirer dans le freinage. On a pris un peu d'avance. Non, vraiment dommage hein, que les modes soient si compliqués. Ça, franchement, je vous le conseille vraiment. Ouh, alors que là, oh, je suis large. Ou alors elle a pris cher. Hein. La corvette, tout ça. Ils sont à la ramasse. Et voilà, on en termine. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette course. Et on se retrouve dans les commentaires pour en parler. Tchuss.